Hello, hello mes abonnés, bienvenue sur la chaîne de Cristal. Si toi, tout le monde pense à qui sur ma chaîne de Cristal. Ben, le vlog du dimanche, voilà. Alors, cette semaine qui s'est passée, vraiment m'a rendu dingos. Avec tout ce que j'ai eu à faire cette semaine. Genre, en plus, des trucs qui n'étaient pas prévus, qui s'en sont rajoutés. J'ai cru que j'allais mourir, moi. Je vous jure, j'ai cru que j'allais mourir. Regardez, en quoi je prends mon petit déj. C'est pour ça qu'ils ont vu ma vidéo. Je prends mon petit déj, oui, bien sûr, les amis. Voilà, mes abonnés chéris. Je prends mon petit déj dans un bol Paris et c'est le bol de Starbucks que j'avais acheté. Voilà, parce que je me suis fait un petit plaisir. Voilà, parce que depuis le temps que je voulais acheter un truc chez Starbucks, voilà, bah, j'ai profité. Les amis, voilà. Ce matin, je me prenais un petit déj, j'ai été périmé. Il était pas, et le déj était périmé, donc j'étais obligé de toucher la. Toilette, c'est génial, voilà, et de recommencer encore un autre petit déj. Je jure, c'est du gaspillage. Parce que j'ai quelqu'un qui a mis une bouteille de lait. Alors que la vie qu'il faut mettre, je dis, mais c'est pas grave, tout le monde s'en fout. Tout le monde veut boire du lait périmé, c'est cool, hein. Bref, cette semaine, cette semaine, oui, j'ai une semaine de dingue. Alors, lundi, je crois que c'était lundi. Qu'est-ce que j'ai fait lundi? Lundi, je crois que c'est le jour où j'ai eu des appels, je crois. Que je voulais me reposer l'après-midi, que j'ai eu des appels. Je sais plus, bref. Bref, je sais plus du tout. Voilà. Je vais quand même me reposer lundi après-midi, je crois. Et que j'ai pas pu me reposer parce qu'il y a tout le monde qui m'a appelé. Voilà. Il y en avait une madame qui m'appelle pour me dire que les vacances étaient annulées. Parce qu'ils font. Ils financent plus. Parce que moi, je devais moi, partir en vacances une semaine ou deux avec mes enfants. Sauf qu'il y a la CAF qui me paye une partie. Moi qui paye une partie. Et une association qui paye une partie. Et l'association ne fait plus, ne paye plus. Voilà. Bref. Ils ont été mettre leur argent ailleurs. Donc, c'est mort pour cette année. Je ne sais pas comment je vais faire pour les autres années. Bref, mais quitte à partir toute seule avec mon fils souvent. Et puis, basta. Et puis, voilà. Bon, bref. C'est une autre histoire. Ensuite, on m'appelle, on me dit, oui, tu dois aller chez le médecin parce que tu as des papiers à remplir. Bref, ok, d'accord. C'est ce que je fais, j'y vais, machin, nanana. Je sais pas si c'était une. Si, je crois que c'était lundi après-midi, je crois. J'avais rendez-vous, je crois. Enfin, bref, je sais plus, bref. Je sais plus, bref. Voilà, donc j'y vais, machin, ça, voilà. Et après, il faut renvoyer le dossier. Donc, je leur renvoie le dossier. Ils me disent qu'il n'est pas bon. Ils me disent qu'il faut que je le renvoie, voilà. Donc, je leur renvoie. Ils me disent qu'il est encore. Pas bon parce que j'ai pas fait les signatures, machin, donc je fais les signatures et je le renvoie. Et le vendredi, et pourtant la madame, elle me dit, elle m'envoie un email, elle me dit oui, elle me dit oui, tout était bon, voilà, bref. Je dis bah ok, d'accord, elle me dit bah c'est une bonne journée, machin, machin, je fais ok, d'accord. Voilà. Parce que moi je savais pas faire par fax, non, par scanner. Donc j'attends que mon CV vienne, machin, voilà. Et bien il me fait le machin, il me fait truc urgent, machin, voilà. La meuf, c'est pas que le vendredi, elle me rappelle pour me dire que je l'ai pas signé. Et moi, comme début, je suis ouais, ok, d'accord, je l'ai pas signé, ok, d'accord, je vais voir. Et quand je prends ma pile de dossiers que je lui avais que je devais lui envoyer, à la base et que je l'avais dû envoyer, je vois le papier, le document qu'elle m'a. Je regarde bien l'email, parce que l'email, elle m'a déjà renvoyé le document pour que je le réimprime et que je le ré-signe. Je regarde le document et je regarde donc ce qui était censé être ma feuille. Ok, les amis, jusqu'à là, vous me suivez. Non, je vois plus là. Bref. Donc, qu'est-ce qui est tenté? Je vois que c'est les deux mêmes feuilles, sauf qu'il y en a une qui est pas signée, une qui est signée. Et celle qui est signée, c'est celle que je lui ai déjà envoyée. Donc, je lui ai envoyé un message. Un email en disant, mais non, je suis désolée, je vous l'ai déjà envoyé, je vous l'ai déjà signé la feuille. Voilà. Bref. Et après, elle m'a pas répondu. Donc, je ne sais pas si c'est bon, si c'est pas bon, je ne sais pas. Où ça en est pour mes papiers. Bref. Donc le mercredi, je suis partie voir mon fils, je lui ai fêté son anniversaire avec lui, machin, tout ça, voilà, ça s'est très bien passé avec mon fils. Donc, on est partis tous les deux. Parce que moi, j'ai un taxi qui vient me chercher. Voilà, pour vous dire. Donc je suis allée.
Et après, ben, mon fils a voulu qu'on aille manger quelque part. Donc on est parti manger dans un bon restaurant italien. Voilà. Et... Et ben après, j'ai décidé d'aller acheter, commencer à acheter des cadeaux d'anniversaire pour mon fils, enfin, celui qui va avoir 10 ans, quoi, voilà. Donc, j'ai acheté un déguisement d'Harry Potter parce qu'il voulait absolument un déguisement d'Harry Potter, voilà. J'ai pris le truc le moins cher parce que, voilà, quoi. Parce que quand j'ai regardé sur Amazon, je crois qu'il était à 40 euros, je crois. Là, je l'ai trouvé à 22 euros, je crois. Je sais plus, bref. Donc, je l'ai pris. Après, j'ai acheté sur Amazon d'autres trucs, voilà, mais ça fera pas 40 euros non plus de déguisement. Hein. Ça me pas déconner. Hein. J'achèterai une baguette, je l'achèterai aussi une cravate, et puis voilà. C'est tout, voilà. Il voilà. Y a pas besoin de lunettes, il n'y a pas besoin de tout ça, voilà, avec le Z, là. Enfin, l'éclair, je veux dire, pas le Z. Voilà, je confonds tout, voilà. Donc, voilà. Ah, je vous ai pas montré. Aussi, son cadeau que je lui ai pris sur Amazon à mon fils. Bref, je vous montrerai ça tard dans la vidéo. Dans la vidéo, vous verrez ça. Voilà. Je lui ai pris une montre Harry Potter qui fait 'elle fait caméra, elle peut filmer, elle peut prendre des photos, je crois. Bref, elle fait pas mal de choses, sa montre Harry Potter. Pour 40 euros. Ça m'énerve d'avoir gâché. Moi, comme vous savez, les amis, j'aime pas gâcher. Bref. Voilà, comme ça, là, vous me voyez manger, là, vous ne me voyez pas faire des gestes bizarres, les amis, voilà. Ah, mais je vous jure, hein, une semaine de dingos. Donc, on est parti avec mon fils, et ça, voilà, c'est après que j'ai décidé, après avoir acheté le costume à mon fils, ça que j'ai décidé d'aller au Starbucks. Je dis, pour une fois, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter au Starbucks. Je pensais pas que ça allait coûter si cher que ça, quoi. 40 euros, quand même. Et moi aussi, on se dit que c'est une fois de temps en temps dans sa vie aussi. On ne se dit pas, c'est tous les jours aussi. Donc voilà quoi. Et donc, cette semaine, j'avais commandé, en plus de la montre, mais ça, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec l'anniversaire, bref. Voilà. Deux aspirateurs. Un qui est arrivé hier. Et un qui est arrivé un peu plus tôt. Pas hier, mais un autre jour dans la semaine, je sais plus. Un aspirateur qui est arrivé hier devait arriver vraiment plus tard que ça. Il devait arriver avril ou je sais pas. Bref, ils ont dû faire peut-être une erreur. La dernière fois, j'avais commandé un pour mon voisin qui habitait sur Alphaville. Je sais pas si vous en rappelez pour les anciens. J'avais fait un beau cadeau d'aspirateur à 150 euros. Aspirateur. Donc là, je me dis, ouais. Là, je me dis, ouais. Ok, d'accord. Donc là, je me dis, ouais. Donc, j'ai acheté. Donc, je l'ai reçu hier. Bien. Bref, ils ont dû voir qu'ils ont fait une erreur de date. Et puis, voilà, basta. Puis, donc, je vais me remettre un peu plus tôt. Hein. J'avais commandé pour l'aspirateur, en plus. Parce que c'était un aspirateur qui fait 3 en 1, je crois, ou 2 en 1, je ne sais plus. Bref. Qui faisait normalement un aspirateur qui aspire et qui lave aussi le sol. Il fait toujours ça, mais sauf qu'il n'y avait qu'une seule lingette pour nettoyer le parterre. Donc, j'en ai repris deux paquets. Et j'ai reçu qu'un seul paquet. Parce qu'il m'avait dit, Amazon, est-ce que voulez-vous passer la commande en double? Je dis oui, en deux fois. C'est marqué deux fois le truc. Quand je te commande, tu le fais deux fois, je sais pas. Ou tu te demandes, tu vois. Mais tu ne fais pas ce genre de style.
Bref, donc j'ai reçu qu'un seul. Donc demain, je vais les rappeler. Voilà, les casse-couilles, là, je vais les rappeler et leur dire. Pas pour qu'ils me remboursent, pour qu'ils me renvoient l'autre sac que j'ai pas reçu, parce que moi, je devais recevoir le 16. Moi, je devais recevoir une date, je ne l'ai pas reçue. Mais après, le 16. J'ai dit, ok, d'accord, peut-être sans rupture de stock, je ne sais pas, le 16, ils vont peut-être en avoir, donc samedi. Donc hier, j'ai rien reçu hier. À part mon aspirateur, j'ai rien reçu. Parce que ce qu'ils fournissent avec l'aspirateur, c'est un seul. Donc moi, j'en ai. Vous voyez, parce que j'avais déjà, auparavant, comme j'avais acheté à mon voisin, là vous habitez avant, sera. Donc j'habitais avant. Voilà, bon, bref, dans mon studio où j'habitais avant. Voilà, j'avais déjà acheté à mon voisin, donc je l'avais déjà offert, voilà, faire plaisir. Donc je savais qu'il n'y en avait qu'un seul. Je me suis dit, je vais reprendre. Mais sauf que, bah, je sais pas. Donc demain, je vais voir avec eux. Après, je ne l'ai pas reçu. Parce que ce que j'ai reçu, c'est 4. Moi, j'ai commandé, je crois, 2 fois 4, ça fait 8. 8, ça fait assez, un par jour, puis tu les laves, donc c'est bon. Genre, je les mettrai dans la machine un par jour, et puis c'est bon. Et un peu avant de cet aspirateur-là, j'avais commandé un autre aspirateur. Il m'a coûté 80 euros, l'autre aspirateur. Parce que là où je suis assise, il y a un canapé. Je ne sors plus trop mes mots. Donc je voulais prendre quelque chose pour nettoyer le canapé. Acheter un truc bien. Donc on va voir ce que ça va me donner. Vous dis, on va voir ce que ça va me donner. Et alors j'ai pris un aspirateur, oui, pour vous dire, parce que vous allez dire, un pour nettoyer le canapé, les matelas. Ah, mais c'est un truc anti-acarien. J'en ai pas, j'en ai eu déjà auparavant, mais j'en ai pas, donc c'est bon. Donc je me dis, bon, bah, pourquoi pas acheter un comme ça? C'est très efficace, pourquoi pas acheter un. Voilà. Ouais. Et vous le connaissez, ça qui râle tout le temps, c'est Frangin. Parce qu'il est jamais content. La frangin vient de une irale, alors que ça peut être capé, c'est moi capé. Je comprendrai jamais de la vie. On m'a fait pour tout oral. D'accord, tu m'énerves, ok, d'accord, c'est ok, d'accord, ça, mais. Excuse-moi. Ok, d'accord, tu m'héberges, mais t'es pas obligé de m'en faire voir toutes les couleurs aussi. Parce que je vous jure, je peux plus le voir en peinture, je peux plus le voir en peinture. Enfin, bref, ça c'est une histoire encore personnelle, encore. Bref, je vous raconte, bref, je ne devrais pas vous raconter. Bon, pardon, excusez-moi. Alhamdoulillah. Pour ceux qui savent, j'avais pas pris que celui-là. Starbucks, j'avais pris aussi ça. Que je vais vous montrer tout de suite. J'avais pris celui-là aussi. C'est bien écrit Starbucks. Starbucks. Il est magnifique comme ça, je trouve. Ouais. Dommage parce que j'aurais bien mieux avoir un avec des paillettes. Voilà. Et il se présente comme ça si vous n'avez pas vu. Ah, donc il est hermétique. Hermétique, vous savez de quoi je parle. Ouais, ça veut plus se fermer ou quoi? Je tourne, tourne, ça se ferme pas. Wesh. Bon, bref. Ça, j'ai payé 22 euros, c'est ça que j'ai payé le plus cher. C'est-à-dire que je viens de montrer le rose là et je l'ai payé 22 euros et celui-là, je l'ai payé 16 euros, je crois. Mais je vais vous redire les prix parce que je l'ai là. Un ticket de caisse. Magnifique ticket de caisse de Starbucks. Ah, moi je vous montre à l'envers en plus, c'est génial, regardez.
16,95€, c'est ma côté le mug. 16,95€ plus 22,95€, et ben ça vous donne ça. 40€. Les amis. Ouais. Donc pour vous dire le tout, bah voilà quoi. J'ai les mains dans un état moi. Ouais. Avec les céréales, là, ça m'a tout dégueulassé. Donc je vous montre la montre tout à l'heure. J'ai le mec qui est collé, c'est normal, j'ai refait encore un deuxième chocolat puisque l'autre il était. Donc dans une tasse, dans un mug Starbucks, on met du chocolat Starbucks. Voilà. Et là j'en ai. C'est du. Ça qu'on trouve dans les magasins, dans les grandes surfaces. Donc quand je suis allée chez le médecin pour qu'elle m'en puisse quelques documents, quelques papiers. Bref. Aussi, j'ai le droit. Donc elle m'a fait un check-up. Je vous dis que là, elle était pressée, elle m'a fait un check-up. Très gentille, madame, elle m'a fait un check-up. Attendez, je me mouche et après je vous reprends. Donc les amis, si vous n'avez pas vu la vidéo, les vidéos que j'ai tournées cette semaine, parce que y en a qui me disent, ouais, mais il n'y aura pas que des vlogs, j'espère. À voir, j'ai tourné une vidéo ciné, une vidéo Netflix, ça s'intéresse cette semaine. Là, cette semaine, je crois que je sais pas qu'est-ce que je vous tourne comme vidéo parce que peut-être il n'y en aura pas, peut-être. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Peut-être je vais vous tourner une vidéo qui est à côté de moi d'un magazine, peut-être. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir quelle est mon envie du moment. Pardon, excusez-moi encore. Ouais. Ah, je vais chercher la montre et je vais la montre tout de suite. Avant que ça coupe. Attendez, j'arrive tout de suite. C'est bon, donc je vais vous montrer tout ce que vous avez. Alors. Là, vous avez le déguisement. Voilà, pour la version de mon fils. Harry Potter. Donc, c'est du. C'est ça qui veut savoir les tailles, c'est du. 11, 13 ans, 142, 154 cm. Voilà. 11, 13 ans. Moi, j'aurais bien voulu que ça soit encore un peu plus grand. 14 et un autre un peu plus grand. 14 et... Voilà. Pour qu'il puisse se garder plus longtemps. Donc, déjà l'une, il y a ça. Donc, il y a la cape, je crois. Et je crois que c'est tout. Voilà. C'est pas grave parce que moi je voulais racheter la baguette sur Amazon, j'ai vu que ça m'a coûté moins de 10€, donc je me suis dit je vais en profiter. La cape, non, la baguette, donc là-dedans il n'y a que la cape là-dedans, ok. Voilà. Et moi ce que je veux c'est la baguette, la cravate et on est bon. Voilà, parce que si je prenais la cape, la cravate, la baguette, les lunettes, l'éclair. On en a eu pour 40 balles sur Amazon. Donc c'est pour ça que je préfère mieux prendre tout en détail, ça me reviendra moins cher. Je prends tout en détail. Donc, déjà ça, déjà d'une. Attends, je ferai un haul spécialement anniversaire, comme je fais à chaque fois, je fais un haul anniversaire. Je vous montre. Alors. Je savais plus où c'est que c'était passé. J'ai trouvé les lingettes pour l'aspirateur. Ouais, donc ils ont bien mis un paquet de 4. J'ai bien écrit un paquet de 4 là-dessus. Ouais, 4. Là. Vous voyez, et moi j'ai commandé 2 paquets comme ça. J'en ai qu'un seul, vous voyez bien. Bref, j'ai retrouvé ça dans mon sac. Donc, on en revient à la montre. Donc, je vais essayer de vous la montrer, mais je vais essayer de ne pas la sortir. Elle se prend comme ça la montre. Mais je vais essayer de pousser mon mug pour que vous la voyez mieux. Voilà, mon mug il est poussé là. Voilà, là, vous la voyez bien là. Voilà. Alors je vais vous dire tout ce qu'elle fait la montre.
Ça va être très facile. Elle fait réveil, appareil photo, elle filme. Vous pouvez faire des jeux avec. Ah, elle fait aussi le temps. Vous savez, quand vous devez courir ou un truc comme ça. Chronomètre, je veux dire, voilà. En fait, elle fait beaucoup de choses à montrer. Elle fait même calculette. Je sais pas si vous voyez là. Mais où c'est que j'ai vu ça? Là. Calculette, réveil, ici. Truc de youtubeur. Photo, jeu. Ça, c'est quoi ça? Truc de départ, mais je sais pas ce que. Ah, peut-être comptez vos pas, peut-être. Elle a deux formats d'écran. Je sais pas si vous allez bien le voir en bas là. Là, vous avez un modèle avec le dessin d'Harry Potter et un modèle classique. Voilà. C'est bête parce qu'ils auraient dû mettre un fond Harry Potter, vous voyez, comme celle-là. Donc, j'espère que ça va vraiment lui plaire à mon fils. Alors, elle se recharge par USB. Il n'y a pas besoin de téléphone. Et non, de verre. Connecto, je sais pas quoi, téléphone. Donc c'est cool. Voilà. Je vais la remettre dans son emballage. Je suis plus malade, mais je tousse encore. Ah bon, tous les cadeaux pour mon fils, je vais la remettre là-dedans après. Ouais. Ah, je voulais vous montrer, c'est un autre truc. Deux autres trucs. Je crois que c'est ça. Si ça peut vous intéresser, si vous êtes malade. Alors, moi, j'ai pris ça. Dans une semaine, c'est des. Pour le rhume. Vous voyez, c'est marqué rhume. Ici, c'est marqué comment vous devez le prendre. Voilà. Donc, ils disent bien. Un. Capsule 3 fois par jour pendant 5 jours, sauf que j'ai pas pris vendredi, donc avant-hier, le dernier je l'ai pas pris, et c'est à base de plantes. Ça se présente comme ça, voilà. Vous voyez bien que je l'ai pas pris vendredi. Enfin, j'ai pris juste le matin, après j'ai pas pris le restant de la journée. Voilà. Ensuite, je vais vous expliquer un autre truc. Donc ils m'ont donné à la pharmacie, parce que bien sûr j'étais à la pharmacie. Ils m'ont donné des huiles essentielles de Raffin Sarah. Vous mettez 2 gouttes sur un cachet vide, vierge, où il n'y a pas de médicaments dessus. Voilà, et vous le prenez comme ça. Et c'est pareil aussi 3 fois par jour. Voilà, ça peut vous intéresser. Voilà. Et ça, c'est fait pour le rhume, pour ça, les gens qui ont de l'as, la Raffin Sarah. Bio, en plus c'est Raffin Sarah bio, en plus ils m'ont mis. Hein. Pas si vous voyez, mais c'est comme ça, ça se présente. Donc pour les gens qui sont asthmatiques, les gens qui ont rhume, les gens qui ont enfin la grippe ou trucs comme ça, ils peuvent prendre ça aussi. Ou ça peut les aider aussi pour l'hiver aussi à éviter de l'avoir, la grippe. Voilà. Moi c'est ce qu'il m'a dit par matin. Comme j'avais été chez le médecin, elle m'avait. Hein, j'ai une malformation de naissance, donc dans les genoux. J'ai les deux rotules qui sont déboîtées il y a plusieurs années. Donc j'ai droit à des attelles comme ça. Vous voyez? Pas, mais là sur les côtés, il y a des trucs en métal. Sur les côtés. Et j'ai droite et gauche. Pour ma malformation, puisque j'ai une jambe, quand vous mettez les deux jambes comme ça, en fait, ben, y a un genou qui fait ça. Il reste pas droit. En fait, j'ai que la jambe droite. Elle se déplie, elle se détend, normal. Et l'autre, elle peut pas. L'autre, elle va rester comme ça. Je vais te mettre comme ça. Il y en a plein. T'as la jambe? Non. Arrive au genou, ça remonte. Ça remonte et puis après, ça part sur le côté. Voilà. Et ça, j'ai eu. J'ai pas payé à la pharmacie. Ça, j'étais. Ils m'ont pris le tour de la hanche. Et le tour de mon genou. Ah, mais je trouve que c'est trop serré et je trouve que ça fait trop mal. Parce que, bah, en fait, je marche pas avec. En fait, puisque j'étais chez moi allongée. Donc, en fait, le truc, il se déplie.
Non, je ne vous dis pas après la douleur que j'ai eu en dessous là. En dessous des cuisses, ça fait très mal. Ah, je vous jure. Désolée, je suis encore mon mouchoir. Bref, désolée encore. Donc voilà quoi, les amis. Donc, si je veux dire d'autres. Ouais. Donc j'espère que mes petites vidéos que je vous ai faites sur cinéma et sur Netflix, j'espère que ça vous a plu. J'en ferai de temps en temps des vidéos comme ça. Si je vais au cinéma ou si je regarde des trucs sur Netflix, bah, je vous dirai. D'accord. Ah oui, en fait, donc pour votre gouverne, c'est pour ça qu'ils ont vu la vidéo.